Bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Barracuda, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Mister Craft à la montagne, toujours en compagnie de Mister Ditech. Bonjour tout le monde. Et vous voyez que Mister Ditech a de la bidoche dans les mains, et oui, on est content, on vient de trouver de la bidoche. Une pluie de bidoche, et voilà, tu m'as tout donné. Donc, on a fait un petit peu le tour de l'île hein, pour trouver des animaux. Donc on a trouvé pas mal de bidoche, on va pouvoir manger de la bonne viande. Et d'ailleurs, je crois même que j'ai trouvé un coffre, je ne suis pas sûr, mais j'ai trouvé des ruines en tout cas. Ouais. Je sais pas si... Ouais, en tout cas, aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, on va monter... À la montagne. On va gravir la montagne. Et vous pourrez voir que dans notre maison, il y a pas mal de chaudrons. C'est parce qu'en fait, on a piqué dans les maisons là-bas. Voilà. Hein, on s'est pas gêné. Attends, je vais tout mettre à cuire. Faut bien qu'on comprenne... Il y a plus de charbon dans celui-là. Il n'y a plus de charbon partout. Oh yeah, on a pensé à tout. bon, on va faire du bois de feu. Attends. Du feu de bois, putain. Pourquoi je dis toujours du bois de feu? Non, c'est du bois de feu. Hein. Non, du charbon du de, bois, de bois. Du charbon de bois. Alors, bref. De... On s'en fout. Voilà. Hop. Allez. Je vais voir mes plantations si elles vont bien. Mais pourquoi ça pousse pas? Ça fait chier, hein, ça pousse pas vite. Bon, en même temps, il fait moins 10, je pense. Ouais, je me réjouis d'être là-haut pour voir comment ça donne. Ouais, c'est vrai que. On se fait encore des rations de. Un petit peu de bouffe, quoi, puis. Voilà. Ah oui, on peut se faire nos lits maintenant. Ouais, je te pose ça, je suis en train de préparer les rations en bas. Ouais, attends, moi je vous fais un lit chacun. Tu la mets en dessous, enfin, tu regardes ce que tu mets. Ouais, on verra, mais peut-être qu'après. Merde, putain, je suis beau. Moi. Peut-être qu'après, on se fera une maison. Ouais. Parce que là, ça fait un peu pauvre une petite maison comme ça pour deux. Donc, on a buté pas mal de moutons. Hein. Pour se faire deux lits, c'est pas mal. Bon, je vais nous faire un petit truc en dessous. On vit dans la terre, c'est quand même assez clochard. Hein. Quand même. Donc on a quand même réussi à miner pas mal de choses. Hein. Mister Ditech avait trouvé un petit peu de charbon. Maintenant, on en a plus parce qu'on a déjà tout utilisé. On est des gros consommateurs. Ouais, c'est vrai que. Alors, on se consomme aussi rapidement le charbon. Et hop, voilà, une petite chambre. Dans la terre. Très joli. C'est bien décoré. Ouais. T'es prêt à partir toi? Attends, oui. T'as tout pris la bouffe? Non, j'ai mis la bouffe. Ta ration, okay. Elle est dans le coffre. Ok. Oh yeah. Puis il reste deux poulets à cuire, mais je les cuirai après. Alors hop. Attends, je vais juste poser 2-3 trucs parce que j'ai pas envie de crever avec la moitié des trucs sur moi. Hop. Une petite fleur, je la garde. Je la pousse devant notre maison, ça fera cool. Pourquoi tu me fermes la porte au nez? Je sais pas, j'avais envie. Allez, c'est parti. Allez. Bon, on va se dépêcher, comme ça on va peut-être pouvoir avoir le coucher du soleil. Ça sera magnifique. Après, ce sera le stress pour redescendre. Ouais, voilà, mais on s'en fout. Au moins, dans la vidéo, on pourra voir le coucher du soleil. Ce sera bien. Ce sera très joli. Voilà. Ah, attends, je vais me servir de ma terre pour monter. J'ai aucun bloc sur moi. Hop, vas-y purée. Donc on a toujours pas trouvé de coffre hein. Bon, en même temps on en a pas tellement cherché, il y a juste Mister Nitech qui a cru en voir un, pardon. Ouais. Après il s'est pas rapproché, de toute façon on découvrira tout ça ensemble. Quand on verra un coffre, en tout cas on filmera de toute façon hein. Même ouais. Si c'était pas notre but de découvrir ce coffre. Voilà, donc j'espère que ça va bien aller. En tout cas, comme si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez cliquer dessus là en haut à droite. C'est à la fin du premier épisode, il y avait pas mal de mobs assez près, assez près derrière notre maison, on va dire. Et c'est un petit peu impressionnant quand même. Après on s'est pas rapproché, mais il y en a quelques-uns, ils ont commencé à venir vers nous.
Et ils sont quand même nombreux, hein, contrairement à ce qu'on disait pendant la première vidéo qu'on pensait que il n'y en avait pas. Mais c'est vrai qu'au début on Ouais, n'en au début, voyait aucun. c'était bizarre. Puis après, wow. Ils ont fait un regroupement. Ils ont pas kiffé ce qu'on a dit. Merde. Donc vous pouvez voir que... Oh, mais purée, je peux pas courir, je suis con. J'ai déjà la dalle. Je mange de petites Fais une petite côtelettes. pause. Ouais. Ah, j'en ai marre, hein, moi, de monter. Bah, C'est c'est trop long. chiant, vous pouvez voir déjà qu'on est déjà bien haut, hein. On peut voir le village en tout petit et on peut voir tout autour de l'île la glace. Ça donne super bien, je trouve. Ça fait un peu la banquise là-bas. En plus de ça, il y a des petits morceaux, c'est qu'il n'y a pas. Moi, je trouve c'est super bien fait cette map. En tout cas, je félicite vraiment celui qui l'a fait. Donc, je me rappelle jamais non plus. Hein, Un nom italien. voilà, un nom italien, je vais vous le dire quand même. C'est Nico Delancio. Voilà. Nico. Mais je vous l'écris quand même pour vous montrer que comment ça se voit, comment ça s'écrit. Alors, ah, purée, c'est encore haut, hein. Ah là là. Mais j'espère qu'il y aura quelque chose en haut, parce que s'il n'y a pas quelque chose, je fracasse quelque chose, hein, moi. Ouais. Mon ordi va y passer, non, je plante, quand même, hein. Ouais, y a des jeux qui fracassent bien souvent. Leur écran, hein, Mr. Ah oui. Ditek. Aïe aïe aïe. Oh là là, ce coup de malade. Y a intérêt qu'il y ait quelque chose, franchement, ça me ferait vraiment chier qu'il y ait rien. Mais c'est vachement, vachement. Ouais. Je sais pas si c'est le maximum qu'ils ont mis là. Je pense. On verra bien. Oh, une petite fleur. Ah putain, t'es beaucoup plus haut que moi. Ah ouais. Oh, je suis au sommet. Putain, attends, je suis sûr qu'ils s'en cachent. Ils se cachent un truc dans les trous là. Putain, ça se trouve, ils ont caché ça sous la neige. Ah ouais, il est à la surface. Oh, il y a trois diamants. Trois Trois diamants, diamants. un casque en or. Oh, de la pastèque, on va pouvoir avoir de la bouffe. Ah, c'est bon ça. Deux lingots de fer et puis une pomme dorée. Bon, alors je prends ça. Je Ouais, en prends. fait, moi je suis en train de monter pour rien là. Oh putain, j'ai faim. Oh, aïe. Je prends le coffre avec un. On est pauvre. Allez. 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 Oh, bien, Oh même des blocs de putain. neige, on peut se faire des boules de neige si on aurait pris une pelle, on pourrait se faire des batailles de boules de Je neige. crois que même avec des pioches, tu peux. C'est vrai? Je crois. Mauvaise idée. Non, c'est pas vrai. Oh la vache. Donc vous pouvez voir que c'est vachement vachement haut, il est crevé Mister Ditech tellement qu'il est à monter. Donc attends, je vais juste vérifier si c'était là. Et ouais, c'est la hauteur maximale, donc je suis sur le bloc le maximum haut. Donc c'est vraiment impressionnant quoi, la hauteur que ça a fait cette montagne. C'est vraiment super, c'est dommage qu'on peut pas voir encore plus loin. Là je suis déjà en vision lointaine, il me semble. Option graphique, ouais, je suis en vision lointaine. Donc, ouais, on voit déjà bien, mais c'est On voit super. pas jusqu'en bas. Voilà, ça fait combien de temps qu'on filme, Mister Ditech? Ça va faire bientôt 9 minutes. Ok, donc on a le temps de redescendre. Pardon, on va. Ah, je suis en train de m'étouffer. On va redescendre par l'autre côté pour voir s'il n'y a pas un autre coffre derrière la montagne. Bon, faut juste faire un peu attention en descendant, pas se cracher la gueule. Ouais. Comme ça, quoi. Aïe, aïe, aïe. 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 Bon, J'ai pas mal. on meurt pas de faim, c'est déjà ça, hein. C'est bien. Allez, allez, moi je speed, moi je Ça speed. pique, ça pique, ça pique, ça pique. Aïe. Ça bug un petit peu, tu sais, moi j'ai. Je reçois Ouais, les moi dégâts aussi. 2 secondes après, tu sais. Bon, c'est pas très Moi grave. Oh, il y a un truc là-bas. j'ai. Il y a un truc en pierre, Mister Ouais, Ditech. alors c'est ce que j'ai vu, c'est ce Ah, que c'est ce que j'ai vu. tu m'as dit alors. Ah, je me suis fracassé, mais je sais Ça. pas où t'es. Là, je suis un peu perdu, là. J'essaie de mourir, je crois. Mais non. Bah, tu redescends par l'autre côté. Aïe. 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 Putain, j'ai l'impression d'être un peu un sadomaso, là. Je saute. Oh, je vois un coffre. Je vois un autre coffre. J'ai cru. Ouais, il est là en bas.
Bon, allez, je vais juste aller chercher ce coffre pour cette deuxième vidéo. Et après avoir récolté le coffre, je vais. On va stopper là. Et puis à la troisième vidéo. C'est quoi? Putain, j'arrête pas de me friter alors que je tombe de deux blocs de hauteur. Dans la troisième vidéo, on ira visiter l'espèce de petit truc là-bas. Ça a l'air d'être un temple comme ça, Mister D-Tech. Oui, j'y suis pas entré, mais quand on est tout près, en tout cas, on entend de la lave. Ok. Alors, dans ce deuxième coffre, vous pouvez voir que en haut à droite, j'ai marqué 2 parce que c'est 2 sur 8. Et bien sûr, on a une potion explosive. Ah non, c'est des dégâts instantanés. Ensuite, potion de régénération, deux fioles d'expérience, un disque et un bâton, deux bâtons incendiaires. Super. Donc, on a de la chance pour cette deuxième vidéo. On a déjà trouvé deux coffres. C'est bien, on avance bien. La Oula, par contre, maison. il commence à faire nuit, donc je vais juste aller me mettre là-bas devant pour finir la vidéo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre, Mister D-Tech? Non, juste comme toujours, je vous fais tout plein de gros bisous. Voilà, moi aussi, juste vous montrer. Waouh. Ouais, ça a l'air d'être une. Ça a l'air d'être un truc complètement piégé. Oh là 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 là. Bon, bah. Voilà, je viens de trouver un troisième coffre, mais il y a de la lave. Ah, c'est celui que là où est-ce que j'ai trouvé, donc il y a vraiment quelque chose. Ouais, il y a de la lave, ouais, en effet. Donc je vais remonter, puis on va se quitter sur ce. Il fait nuit, hein? Ouais, je sais, mais on va se quitter ici. En-dessus de ce temple assez maléfique. En tout cas, je sens qu'on va bien souffrir. Hein. Ouais. Oui, j'ai aussi oublié de vous dire que je me suis trouvé un petit chien en voyant le loup qu'il y a là-bas. Je me suis trouvé un petit chien et Mister D-Tech. C'est Il m'aime pas. pas. Voilà, il aime pas Mister D-Tech. Je sais pas pourquoi. Il m'a pas tapé. Il a pas tapé le chien. Il s'énerve pour rien. Il a peut-être pas une bonne odeur, Mister D-Tech. Bon, enfin, pas grave. On va pas se stopper là. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao tout le monde, à la prochaine. Allez, ciao, bisous, bisous.